Salut! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en commandant depuis l'app Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver les disques et plaquettes bulk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues arrière, soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Avant de commencer, desserre le frein à main, sans quoi l'opération sera impossible. Pour cela, munis-toi d'un cliquet, d'une douille de 13, ainsi qu'une clé plate de 15 et retire les vis de colonnette. En faisant levier avec un gros tournevis plat, désolidarise l'étrier de son support et retire les plaquettes. Change les antibruits si tu as décidé de les remplacer. À l'aide d'une brosse métallique, nettoie les extrémités de la chape où coulissent les plaquettes. À l'aide du cliquet et d'une douille Torx 50, desserre les vis de chape. Retire les vis, puis dépose la chape. À l'aide d'un marteau et d'un gros tournevis plat, retire le cache du moyeu. Puis, à l'aide d'une barre de force et d'une douille de 32, dévisse l'écrou du moyeu. Enfin, retire le disque. Soutiens-nous, s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Retire le capuchon de protection du roulement. Pose le nouveau disque. Attention, ce modèle de disque intègre le roulement. Tu peux maintenant remettre en place l'écrou de moyeu. Un serrage fort est nécessaire. Revisse le haut cliquet dans un premier temps. Termine à la clé dynamométrique, réglée à 300 Nm. Puis remonte le cache-écrou. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main et en finissant avec un cliquet et une douille Torx 50 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Rentre le piston. Pour cette manipulation, il est indispensable de se munir d'un repousse-piston, outil spécifique qui te permet à la fois de repousser le piston
mais aussi de le faire tourner sur lui-même pour réarmer le système de rattrapage de jeu de ton frein à main. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Et insère-les dans la chape en les faisant coulisser. Positionne les ressorts de plaquettes parallèlement à ces dernières. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le. Pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire.